Hey, salut les gars, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Non, en fait elle a rien de particulier cette vidéo, c'est juste un tuto. Ce qui est particulier, c'est que j'ai changé de département pour pouvoir venir rouler un spine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va apprendre à passer un spine ensemble. Je vais vous donner quelques techniques, une pour breakless, une avec un frein, et après je vous montrerai comment le passer. Allez, c'est parti. Bon. Me voilà en haut du spine. Avant tout, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que passer un spine sans réfléchir, en y allant comme un malade, ça sent l'accident. Parce que c'est un module qui est quand même assez dangereux à rider. Il faut le passer beaucoup, beaucoup de fois avant de le passer en allant haut. Donc on va voir la première technique pour le passer. Le mieux, ça va être de venir et de faire un foot plant. Un foot plant, c'est quoi? C'est poser le pied en passant le spine. Je vous montre tout de suite. Là, on est vraiment sur la première technique à faire. Ça marche avec un frein, ça marche sans frein. C'est vachement bien pour comprendre comment passer de courbe à courbe directement. Et ça t'évitera d'y aller tout de suite et d'atterrir à plat par terre. Donc, bien faire gaffe, prendre le temps, faire des foot plantes, apprendre, apprendre, apprendre. Et petit à petit, tu peux essayer de le passer. Deuxième technique que moi j'aime bien faire, pour ceux qui ont un frein et pour ceux qui savent faire des aboubaka, tu peux venir te caler en aboubaka et te laisser redescendre dans la courbe en face. Je te montre tout de suite. Cette technique-là, elle est sympa. Bah, tu passes le spine en faisant une figure, même si c'est pas vraiment une figure. La technique d'après, tu vas arriver à la vitesse pour monter sur un quarter et tu vas essayer de le passer. Je vais le faire doucement au départ pour montrer le mouvement. Et au départ, vous avez bien vu que je ne suis pas arrivé droit. J'ai fait un espèce de virage pour le passer de travers. Et ça évite d'aller droit et d'atterrir par terre, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez bien que j'arrive pas droit. Je fais un petit virage pour essayer de le passer un peu de travers. Après, il n'y a pas plus de technique que ça. La première technique du foot plant est quand même vachement bien pour apprendre. Ça vous évite de vous balancer direct. Et après, il faut en faire plein. Essayez, essayez, toujours essayez. Et là, vous y arriverez. Après, c'est ce que je vous disais, il faut en faire plein. Petit à petit, gérer sa vitesse, arriver doucement au début, puis accélérer petit à petit. Plus vous prenez confiance, essayez d'aller vite. Par contre, n'y allez pas trop vite. Parce que si tu vas trop vite, tu vas tirer trop, tu vas tirer en manual, j'en sais rien, mais tu vas te faire mal, c'est sûr. Donc faites gaffe. Là, ce que je vais faire maintenant, vu que je vous ai fait le tuto spine, en rentrant chez moi, je vais m'arrêter à un plus petit spine et je vais essayer de faire des tricks. Et ça sera dans la vidéo de vendredi prochain. Donc n'hésitez pas à la regarder. Et bon ride, et faites gaffe à vous. Protection avant tout, ok? Salut!